février 2021, il y a un gros mouvement levé campé dans la prison civile Croix de Bouquer. Après diverses rencontres entre plusieurs entités dans le gouvernement, tant que le ministère de justice et de sécurité publique, le commandement de la police, le bureau secrétaire d'État de la communication, avec l'autre, même bilan, gouvernement a mesi présenté la population avec la presse coulière. Avant l'incident à Yéa, il y a 1542 prisonniers dans la prison Croix de Bouquer. Des comptes qui fait matin vendredi a fait nous constater qu'il y a 1125 prisonniers qui sont dans ces lieux. Il y a 25 personnes qui mourent, là-dedans, 6 prisonniers et inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable prison. Parmi les prisonniers qui tombaient, gen Arnel Joseph qui était attaqué yon patrouille la police qui était campé moto li était sous lia. La police riposte et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques la police confirmé c'est Arnel Joseph qui tombé jodi a. Monsieur t'a dirigé gang village de Dieu avant le talmont de Basli dans sa vient la Tibonite. La police qui était toujours mobilisée rive reprendre tout 60 prisonniers qui t'ont tenté sauver. Il y a plus passé 200 lots, la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police rive récupérer tout 2 fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm sans compter diverses bonbons de gaz qui étaient gaillés dans la cour prison. N'a précisé parmi les gens qui mourent, ces 7 citoyens prisonniers ont été attaqués sous route pendant qu'ils ont été sauvés. La justice a continué de travailler dans le moment où on a parlé là pour identifier toutes les victimes. Après l'incident, dans la prison civile Croix de Bouquer, l'autorité a formé 3 commissions. La première commission, c'est l'inspection générale, qui a fait une enquête administrative pour fixer la responsabilité interne. Deuxième commission, c'est la commission Direction Centrale Police Judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est ce qui méritait à devant la justice. Troisième commission, c'est la commission Direction Administration Pénitentiaire, qui prend pour enquêter sur la cause du mouvement ça avec les gens qui impliqué là-dedans. Tout le gouvernement avec la police qui mobilisait, demandait la population à rester tête frette, continuer à collaborer avec la force l'audio pour y couper tout bandit qui pensait au cas Simedei dans la population. N'a dit nous tout merci, n'a prend 3 ou 4 questions. Première question, vision métropole. Bonsoir, moi-même c'est Jean-Jules Desautus pour Radio et Télévision Métropole. Donc, est-ce que je dis à le gouvernement capable de décerner un satisfait le fait que ma première question, c'est Jean-Jules Desautus, Radio et Télévision Métropole. Est-ce que le gouvernement capable de décerner un satisfait le fait que Anel nourrit nos conditions tradies hasardeuses? Ce n'est pas un raid ou bien une opération réelle qui est faite. Donc, quelle lecture le gouvernement fait de ça, surtout ce n'est pas les mêmes en termes d'autorité policière qui est intervenue au premier degré en termes d'action ou d'opération policière. Merci beaucoup. Merci pour la question. Et pour être peut-être satisfait pour personne qui mourit. Citoyen qui tombé, malheureusement pour lui, c'est attaquer la police riposter, lui tomber. Ni la police, ni le gouvernement a toujours souhaité, c'est la justice qui arrive à juger tout le monde qui est impliqué dans n'importe qui mauvais acte et puis décider sous soi. Si vous avez lagué, vous avez lagué, si vous avez condamné, pour vous condamner. Seul ça n'a précisé, la police et tout le gouvernement continuer à faire travailler pour sécuriser la population. Mission 2000. Mission 2000. Bonsoir, mon nom est Jacques-Christophe Prophète, en travail pour la division 2000. Monsieur le secrétaire d'État, nous avons des précisions sur qui côté exactement que l'attaque a été faite dans la division, parce que bon, on parle de prison, il y a plusieurs et il y a 10 sections. Est-ce que c'est uniquement dans bon parallèle là, vous dites que le côté de la prison que l'attaque l'a fait? Et deuxièmement, on dit que parmi nous qui tombent, c'est Arnel Joseph. Or, Arnel est mort au lendemain de l'évasion. Bon petit détail, qui côté que Arnel tombé
et nous apprenons que il n'y a pas aucune pièce sous lui. Comment nous fait arriver à identifier que c'est le chef de gang Arnel et Joseph et qui tombait pendant et en fait l'après-midi alors. Merci Jean-Christophe Prophète. Moi précisé dans monsieur le présenter service technique la police. Pas oublier moi avec là directeur des APA qui sont monde qui habitué avec Arnel Joseph parce que c'est les responsables qui habitué il est habitué où elle est en prison. Il y a des signes qui montrent à clair que c'est bien Arnel Joseph qui est tombé. Il y a une enquête qui est menée sur sa privée. Détails pour être disponible. Mais ça nous a dit objectif là, c'était tenter de vider prison. Mais vigilance la police permet que ça pas arrive fait, c'est bloc Arnel Joseph là qui te gagné et plus l'obéi là dedans. Donc la police est arrivée pour contrôler la situation rapidement. Un texte, monsieur le président, service technique la police, pas bien moi avec là directeur des APA qui sont monde qui habitué avec Arnel Joseph parce que c'est les responsables qui habitué les habitués ou elle en prison, il y a des signes qui montrent à clair que c'est bien Arnel Joseph qui est tombé. Gagné enquête qu'on dit le cap mené sous sa privée, détaillé pour que disponible. Mais ça n'a dit objectif là, c'était tenter vider prison. Mais vigilance la police permet que ça pas arrive fait, c'est bloc Arnel Joseph là qui te gagné et plus l'opère la donne. Donc la police est arrivée pour contrôler la situation rapidement. Excusez-moi, Arnel Mouillot, lendemain de l'évasion, à qui côté nous dit Mouillot? Non, précisez, c'est dans l'Estelle. Dernière question, s'il vous plaît. Fille. Une question. Comme une question, on a dit l'étopole posée déjà. On a pour. Oui. Là pour... Ici. Oui. Identifié. Moi, c'est Dimanche au Brest. Je travaille pour Radio Télé Zénith. En même temps, tout, moi, c'est. Je travaille pour l'agence en ligne Zénith, c'est bien fou. Maintenant, nous constatons qu'il y a une évasion spectaculaire, ça qui fait au niveau du tribunal civil et on dit prison civile, quoi, de Bouquet. Est-ce que le gouvernement, puisque nous connaissons, il y a un pile dans le chef de gang SAO qui vient et on dit connexion avec le gouvernement ça. Par exemple, Arnel Joseph, qui a été indexé dans la question de kidnapping, il y a un sénateur qui est indexé, nous avons dit, à un certain moment, il a dit que c'est le pouvoir qui a protégé. Mais nous-mêmes, dans le pouvoir, qui ça nous capable de dire? Est-ce que nous avons un rien à revoir avec le chef de gang SAO, Arnel Joseph? Est-ce que nous avons un rien tout à revoir avec l'ensemble des chefs de gang qui est dans la zone métropolitaine qui formait Genève et Allier? Merci à Pile pour la dernière question. Yo a toujours dit n'importe qui ça. Mais c'est la justice, le récupérer un citoyen. Le juge a déterminé à qui est-ce qui a un lien, à qui est-ce qui n'a pas de lien. Donc la police avec la justice a continué de travailler dans ce sens. Merci à Pile pour votre patience.